Salut les petits amis, ça y est, on va fêter les 20 ans d'un véritable monument du jeu vidéo. Je parle de Counter-Strike, qui pourtant était parti comme simplement un mode d'un autre jeu, Half-Life. C'était un truc pas officiel, et c'était tellement génial qu'au fil des ans, c'est devenu un truc officiel. Et 20 ans après, ça reste encore une des épreuves reines de l'e-sport, avec des équipes qui s'affrontent dans ce jeu où, je le rappelle, des terroristes affrontent des contre-terroristes pour, par exemple, désamorcer une bombe ou sauver des otages. C'est vraiment un jeu, finalement, c'est un FPS, mais il y a beaucoup de stratégie. Il faut vraiment se parler entre les membres de chaque équipe pour réussir à faire quelque chose. En fait, c'est un jeu très simple. On a juste des flingues, des grenades, et puis après, c'est l'organisation de l'équipe qui fait tout le travail. Donc voilà, c'est un jeu que j'adore depuis toujours. Pour vous dire, en 2000, nous, à Game One, on y jouait au bureau, parce que tout le monde n'avait pas internet, et pour jouer en réseau, il fallait connecter des ordinateurs ensemble. Donc difficile d'amener les ordinateurs chez les potes, mais nous à la rédac on avait une douzaine d'ordinateurs, donc on connectait 8 ordinateurs ensemble avec des câbles Ethernet, et on faisait deux équipes de 4 et on se frittait toute la nuit parfois avec la rédac de Game One. Donc c'est vraiment des très très bons souvenirs pour moi, et je pense que Counter-Strike a encore de longues années devant lui. Je sens qu'il va faire centenaire. Beaucoup aimeraient le détrôner, hein Valorant. Eh ben c'est pas gagné.